Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième boîte que je devais faire pour ma commande. Donc vous allez voir, comme la précédente, sur la précédente vidéo, vous allez voir le déroulé de la construction de la boîte après mon blabla. Voilà, donc là vous avez Fifi comme d'habitude. Alors là je viens à l'instant de la terminer, donc elle n'est pas sèche, elle n'a pas été mise sous presse. Donc elle gondole un tout petit peu comme d'habitude hein, sur le couvercle. Mais demain, une fois qu'elle sera sèche, tout redevient dans en ordre. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça, vous le savez, vous commencez, je pense, à avoir l'habitude à force que je vous montre mes créations en cartonnage. Je vous répète à chaque fois. Alors là, il est temps que je termine parce que là, à la fin, vous verrez, à la fin de la vidéo, je commençais à me brûler les doigts avec mon... D'ailleurs, est-ce que je l'ai éteint ? Oui. Avec mon pistolet à colle. Et je me suis bien chauffé les bouts de doigts. Mais bon, ça va, il n'y a pas de soufflette. En posant les perles. Oh. Et t'arrêtes. Alors, je vous mettrai à la fin une photo de Mademoiselle Fifi qui s'est allongée. Et non, mords pas. Parle de toi, tu me mords, vilaine fille. Qui s'est allongée là où je fais mes photos. Vous voyez, ici, là. C'est un tissu imitation cuir où je fais mes photos dessus. Et elle s'est allongée dessus comme une star. Oui, mademoiselle s'est mise comme une star. Donc, je vais vous mettre la photo juste avant de voir le déroulé de la vidéo, vous verrez ça. Hein? Mademoiselle, je crois à Cannes. Hein, tu te crois à Cannes? Oui, comme les stars, tu veux monter le tapis rouge? Oh là là, les bijoux. Hey, arrête de mordre! C'est une vicieuse. Bon. Allez, on arrête de parler de Fifi et je vous montre la boîte. La voici. Allez, bouge tes fesses. Donc, c'est avec des chouettes, des hiboux, des chouettes. Bon, moi, je préfère dire des chouettes. Voilà, donc le tissu... Alors, désolé, il y a le soleil qui tape. Descends une seconde, s'il te plaît. Donc, c'est... Les couleurs sont grège, beige. Il y a du vert canard, moi j'appelle ça, voilà. Mais oui, t'es devant la vidéo, on te voit. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Pour en avoir une, il faut que tu payes. Voilà, donc je la monte de plus près, voilà, voyez. C'était super beau aussi ce tissu, je l'aimais beaucoup. Donc là, j'ai décoré le dessus avec un ruban. Voilà, pareil, vert avec des petits pois. Et une dentelle. Alors la dentelle, le ruban, c'est pas possible. C'est pas possible. Le ruban, je l'ai fait partir tout autour. Sauf la dentelle. La dentelle, je l'ai arrêtée ici. Parce que bon, en dessous, ça aurait fait épais. Ça aurait pas fait très joli. Voilà. Et décoré avec des petites perles vert bleu. Voilà. Donc, le tissu ici est pareil, vert canard. Moi, j'appelle ça vert canard. Alors, vous voyez, elle n'est pas sèche. Mais demain, elle sera toute plate. Et voilà l'intérieur, donc pareil, qui n'est pas sec. Je viens vraiment à l'instant de la terminer. Donc le vert canard
Ici, oh là là, ça se décolle. Attention, faut faire attention. Je vais tenir comme ça parce que c'est vraiment, vraiment pas sec. Donc, vert canard en haut et le tissu dans le sens contraire, mais là, le fond est blanc à l'intérieur. Voilà. Pas trop la tripoter, comme on dit, pour ne pas. J'ai pas envie d'avoir de besoin de la recoller après. Voilà. Donc là, j'ai mis des petits coins en métal, comme d'habitude. Une petite perle sur le ruban avec l'aimant. Donc là, je vais lui mettre des livres à l'intérieur et remettre un livre au-dessus comme je fais d'habitude pour que tout soit bien, bien, bien collé jusqu'à demain. Il faut laisser 24 heures de séchage pour que ce soit. En plus, il fait très bon là, donc ça va être super. Je vais mettre sur ma table de couture. Il y a un peu de soleil dessus. Comme ça va aller très, très bien. Et ça va faire sécher la rose, donc. Qui est en train de terminer de sécher en même temps. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous invite donc à continuer à regarder le reste de la vidéo pour voir la construction et à la fin les photos de la boîte comme je fais d'habitude. Voilà, pour la voir un peu plus en détail. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt. Bye, bye.